Hey, salut toi, c'est Papa Popote. Ben oui, j'espère que tu passes une belle semaine parce qu'écoute, il reste 2 semaines avant le Noël. Puis les fêtes de Noël, puis c'est le fun, les congés de Noël, les cadeaux de Noël, les rencontres de Noël. En tout cas, Noël s'en vient d'ici 2 semaines. Fait qu'écoute, il faut se préparer autant pour acheter nos cadeaux en spécial, si on peut, puis que notre nourriture, puis si on en reçoit en plus, c'est sûr que là, il faut absolument s'organiser pour que ce soit bon. Facile, pas cher. Ah, ça c'est sûr. Écoute, j'ai pris le temps pour toi cette semaine du 12 au 18 décembre. Déjà 18 décembre, cette semaine, j'en viens pas là. Écoute, c'est la dernière semaine de l'automne. Hein? On pense pas autant quoi à l'automne, mais c'est jusqu'au 21 hein, décembre, l'automne. Ça commence, l'hiver commence le 21 décembre, on n'est pas en hiver. Hein? Écoute. J'ai pris le temps là, vraiment de regarder ça dans les épiceries qu'on aime tous, là, IGA, Maxi, Métro, Provigo et Super C. Puis écoute, va voir là, sur ta liste là, VIP, les membres VIP, allez voir là, votre liste parce que c'est vraiment intéressant. Là, tu sais, tu sauves là, avec tout ce que j'identifie toujours entre 70 et 90 rabais à chaque semaine qui représentent entre 30 et 75 de rabais. Ça, c'est des centaines de dollars d'économies faciles à faire, juste en prendre conscience puis à agir en conséquence. Hein? Ça veut dire de cuisiner, de faire son repas, ses menus en rapport avec les rabais de la semaine. C'est bien, bien, bien important parce que, écoute, à chaque semaine de le faire, de sauver 50, 60, 75 piastres, 100 piastres par semaine, bien, tu sais qu'à la fin de l'année, là, c'est énormément d'argent. Puis avec cet argent-là, bien, tu peux faire des cadeaux de Noël, entre autres. Fait que, puis c'est pas plus dur, hein? Faut déjà le faire les commissions. C'est juste à savoir qu'est-ce que tu achètes au lieu d'autres choses, des fois. Fait que, écoute, commençons tout de suite avec IGA. Écoute, chez IGA, cette semaine, la poitrine de poulet. Écoute, la semaine passée, belle poitrine de poulet cette semaine, est pas mal partout en spécial. À 3,88 la livre en plus. Un petit peu, c'est 3,99 son beau spécial. Là, à 3,88 ou 8,55 le kilo pour le beau filet de hein, le suprême de poulet. Ça, c'est super. Moi, là, ce que j'ai commencé à faire, c'est à les farcer. Tu sais, tu peux les couper. Tu sais, comment c'est fait? C'est fait de même. Fait qu'on le coupe. Sur l'épaisseur, on l'ouvre en deux, on peut le farcir, après ça, on vient le ligoter. C'est une chose qu'on peut faire c'est fantastique. Mais si on veut mettre juste du fromage avec du brocoli ou des épinards, des affaires comme ça, ce qu'on peut faire, c'est de rentrer, on regarde, là, c'est fait comme c'est fait comme ça un peu. Fait qu'on rentre notre couteau juste dans le milieu, jusqu'au bout, puis là, on coupe de même, on revient ici un petit peu, on se fait comme une pochette. T'sais, on le coupe pas, là, on n'a pas besoin de le ficeler. Fait que ça nous fait comme un genre de cône. Là. On s'organise pour faire un trou dans le milieu du poulet, puis là, on le farcit, on le rentre comme il faut là-dedans. Puis là, c'est super, c'est facile, c'est moins trouble encore que de le ficeler. En tout cas, c'est une idée comme ça. Là. Il y a tellement de choses qu'on peut faire avec un filet de poitrine de poulet désossé comme ça que. Hein? C'est sûr. Aussi, chez IGA, écoute. Cette semaine encore, ça aussi, c'est un spécial de la semaine, c'est du saumon fumé. 300 grammes de saumon fumé à 9,99 pour le 300 grammes. Ça, écoute, c'est super. Surtout en temps des fêtes, là, c'est quelque chose de facile parce qu'on peut faire des appetizers, hein, des petites entrées, là, des petites bouchées sur des biscottes. On met une tranche avec un morceau d'oignon puis un câble là-dessus. Ça vient de finir. Pour ça, tu mets un filet d'huile sur toute ta batch là, de petites bouchées que tu as faites. Là. Écoute, c'est quelque chose. C'est super facile à faire. C'est plein de protéines. C'est bon pour la santé. C'est du poisson. Il y a plein d'oméga 3. Écoute, à 9,99 là, c'est le temps d'en acheter. Je te dis pas qu'il n'y aura pas d'autres spéciales d'ici à Noël. Il reste 2 semaines. Fait qu'il y a cette semaine, puis l'autre semaine d'après, hein, avant Noël arrive. Là. Fait que peut-être en acheter un peu, parce que c'est sûr qu'il ne sera pas vraiment moins cher que ça, même s'il y avait un autre rabais. Peut-être qu'il y a une sorte que tu aimes plus que d'autres. En tout cas, regarde ça. Le saumon fumé cette semaine, à ne pas manquer. Aussi, ben écoute, les jeunes dindons, hein, ex-Eldar, ils disent de le prendre directement du congélateur au four, donc c'est supposé être vraiment pas de trouble. À 1,69 l'allée, ou si tu préfères, 3,73 le kilo. Il était à 1,44 la semaine passée. Là, à 1,69, c'est 25 cents la livre de plus, mais c'est quand même un très bon spécial. Puis c'est sûr que pourquoi qu'ils mettent des dindes, des dindons en spécial dans le temps des fêtes, je laisse deviner, parce que c'est comme un repas traditionnel. Moi, j'en fais pas pour Noël personnellement, mais c'est quand même encore dans nos traditions. Fait que c'est pour ça que c'est la période de l'année. C'est comme les fruits et légumes, là, les pêches là, au mois de juillet à août,
Hein? C'est là que ça se passe, tandis que la dinde, ben, ça se passe dans cet incite-là, le temps des fêtes. Fait qu'il y en a partout cette semaine. C'est vraiment une des grandes vedettes. Donc, c'est ça qui est ça pour chez IGA cette semaine. Continuons tout de suite avec Maxi. Écoute, chez Maxi, leur outil de haut de surlonge. Ça, là, écoute, il est à quoi? 3,98 la livre ou si tu préfères 8,77 le kilo. Ça, c'est vraiment une belle pointe. Elle n'est pas piquée. Hein? Et puis, elle est assez tendre. Puis, c'est goûteuse surtout. C'est le haut de surlonge, ça a un bon goût. La fibre est bonne, vraiment. Là, c'est une belle viande qu'on peut manger saignante, si on veut même. Fait que c'est super. Puis, à ce prix-là, c'est vraiment un très bon prix pour le haut de surlonge. Je te conseille. Là. C'est mieux que l'intérieur de ronde. Tu sais, ça ressemble à l'œil, mais c'est pas pas toute la même qualité, là. Hein, c'est beaucoup meilleur, là, le haut de surlonge, ça se compare pas. Fait qu'il est en spécial chez Maxi cette semaine, on va profiter. Aussi, parce que chez Maxi, il n'y a pas tant de protéines que ça animal, hein, parce que là, on tombe, tu sais, c'est pas mal la protéine, là, cette semaine effrayante chez Maxi, parce qu'il y a aussi le fromage. Parce que le fromage, c'est une protéine. Le Saputo, là, le mozzarella, en briques de 500 grammes à 3,98. Hein, tu sais, quand il tombe en ce spécial-là, je t'en parle tout le temps, parce que le fromage mozzarella, c'est, moi, j'en ai toujours à la maison. Hein, je cuisine avec ça régulièrement. Ça soit pour farcir mon poulet, par exemple, ou gratiner. J'adore les petits plats gratinés. On peut faire du veau parmigiano. À la place du veau, ben, tu prends le poulet, puis là, tu fais gratiner ça dessus. Là, t'sais, tu fais cuire ta poitrine de dinde, ta poitrine de poulet avec ta sauce à spaghetti par-dessus. Tu mets un petit peu de mozzarella, mets ça dans le four, toi. Ah, oh, tabarnouche, c'est bon, ça, c'est bon, bon, bon. Écoute, c'est bon manger. D'accord, j'adore ça. Aussi, chez Maxi, ben, regardons ça, toi, du bacon de 500 grammes. Écoute, 2,98, je répète, 2,98, 500 grammes de bacon sans nom. Bon, faut pas te t'avoir. Il n'y a pas de nom. C'est pour ça qu'il est 2,98. Mais vraiment, du bacon. C'est du bacon. Fait que, écoute, c'est ça qui est ça pour chez Maxi cette semaine. Donc, profitez-en au maximum. Continuons tout de suite avec Métro. Chez Métro, le jeune dindon. Ben oui, le plus beau. À 1,49 la livre. Tu vois, tu as l'Excel d'or à 1,69. Tu as le jeune dindon chez Métro à 1,49 la livre, si tu préfères 3,28 le kilo, donc 20 cents, 7 la livre. C'est sûr que c'est un dindon, là, ça pèse ça là, entre 3 et 7 kilos. Là. Fait que, c'est-à-dire 7 kilos, ben, c'est plus que 15 livres. Donc 15 livres, mettons, on est à 15 livres, j'ai front, à 20 sous. Hein? Bon, ben, c'est sûr que c'est ça la différence. C'est ça que tu payes de plus là, que si tu achètes l'Excel d'or, par exemple. OK? Mais quand même, ça a bien de l'allure, là. 1,49 la livre pour une vraie dingue comme ça. C'est super. Puis, c'est le temps à profiter. Tu peux t'en acheter plusieurs aussi, parce que le temps des fêtes, on en mange, mais tu peux en manger toute l'année, hein. Puis, ça se congèle très bien. D'ailleurs, ça vient déjà congelé. Chez Métro aussi, bien, le veau haché maigre. Veau haché maigre, ça fait 3 semaines d'affilée qu'il l'a. Je pense qu'ils veulent qu'on utilise ça pour nos tartes, nos saucisses, nos boulettes. Puis, c'est une bonne idée. À 2,99 la livre, ou si tu préfères 6,59 le kilo. Hein? Ah, là, on parle d'une vraie bonne protéine. Ça vaut vraiment la peine. Du haut à chez Meg, c'est la seule place qu'il a cette semaine, c'est chez Métro. Aussi, chez Métro, ben, qu'est-ce que ça, toi? Le saumon fumé, le Coyo. C'est une sorte de saumon. C'est la marque Irrésistible. 300 grammes, la même chose, à 9,99. Tu as celui chez IGA. C'est une autre marque qui vient de la Finlande. À 9,99, tu as le Coyo Irrésistible chez Métro, là, à 9,99 aussi, donc ça dépend quelle marque que t'aimes. Des fois, ils ont des petites, tu sais, ça reste du saumon fumé, là, tu vas me dire, mais quand même, des fois, il est plus fumé, des fois, il est moins fumé, es-tu plus mince, es-tu plus épais? Fait que ça dépend ce que tu veux faire, ça dépend aussi de ton goût à toi. Idéalement, c'est des essais. T'sais, quand tu tombes en spécial, tu tes essais, puis à un moment donné, tu dis, ah, moi, c'est celle-là que j'aime, puis quand tu tombes en spécial, là, j'y vois à fond, tu sais, parce que ça, c'est vraiment tout mince, c'est l'emballage, il n'y a pas d'emballage quasiment après ça, tu sais, c'est très minimaliste, puis fait que ça rentrerait réellement bien dans un congélateur, fait que tu peux en mettre là, beaucoup dans un congélateur, puis sans que ça prenne énormément de place. C'est ça qui est le fun avec le saumon fumé, entre autres, à part du fait aussi que tu as rien de sorti, tu sors ça, dans 10 minutes, il est prêt à manger, fait que ça se dégèle comme ça. Donc, c'est ça qui est ça pour chez Métro cette semaine. Continuons tout de suite avec Provigo. Écoute, chez Provigo, là, vraiment, là, c'est là, cette semaine, à mon avis, qui a les meilleures protéines en spécial. Vraiment. Écoute, premièrement, là, le beefsteak d'Aloyau.
Écoute, à 4,99 la livre, ou si tu préfères, 11 pièces le kilo. Tu veux faire du bon steak là, pour Noël, là. C'est le temps d'acheter ça, parce qu'à 11 pièces le kilo, c'est pas cher. Hey, pour de, c'est quoi, ça vaut 30 piastres le kilo, cela, à 11 piastres le kilo, c'est vraiment donné. Maintenant, il faut la, c'est bien ça, là, par contre, hein, le beefsteak de l'Ohio, là, le T-bone, là, c'est super bon, tu sais, quand c'est bon, c'est bon, puis quand c'est pas bon, c'est pas mangeable, parce que c'est raide comme une barre. Qu'est-ce qui fait, pourquoi que c'est raide, c'est-tu la cuisson? Il dit non. Moi, je l'ai fait, je l'ai acheté une fois, une année, là, pour toute la famille, j'avais demandé, là, un gros pouce d'épée, j'avais fait couper, puis tout. Quand j'étais voir, il était tellement beau, il était rouge, là. Pas de gras, rien, là. Parfait, là. J'en revenais pas. Je dis, waouh, c'est les plus beaux steaks que j'avais jamais vus de ma vie. Mais ça, sur le charcoal, c'était en plein été. Ça a été un désastre. Raide comme une barre. Pourtant, la cuisson était parfaite. J'avais réussi parfait, mais c'était pas mangeable. Je pense qu'il y a le petit filet mignon qui était raccroché après, là, lui, bon. Il est bon, là, c'est sûr. Là. Mais la T-bombe comme telle, t'es raide, raide, raide. J'avais le goût de broyer, ça m'avait coûté une beurrée en plus de ça. Ça, ça coûte cher, là. Parce que même, à, parce que là, 11 piastres du kilo, c'est pas cher, mais quand même. Tu sais, je veux dire, ça pèse quand même un 500 grammes, un T-bombe, là. Ça coûte 6-7 piastres, là, la tranche. Puis ça, c'est quand il est en super gros spécial. Fait que ce qu'il faut que tu fasses pour le truc, je te le donne, là, pour qu'il soit tendre, juteux puis délicieux comme tu l'aimes. Il faut pas qu'il soit beau. Il faut qu'il soit plein de parsemé, clairsemé de gras. C'est bien, bien. On va parler du persillage, qu'on appelle ça, c'est le mot, là. Le persillage, là, ça, là. S'il n'y a pas de persillage, tu touches pas à ça avec une perche. Je te le donnerais, puis tu vas manquer un souper de toute façon. Lui de manger un crabe de nœud. Non, non, honnêtement, là, c'est vraiment pas mangeable. S'il n'y a pas de persillage, c'est-à-dire du gras. Tu sais, on ne parle pas de nerfs, là. Mais non, c'est plein de petites boules de gras dans le milieu, comme ça, de la viande, ça. Non, ça n'a pas l'air beau. C'est lui le meilleur. Achète-lui. Tu le dis. Regarde, tu vois ce que tu veux, là, mais tu feras le test pour le fun si tu ne me crois pas. Parce que le persillage, c'est du gras mou. Puis, ça se mange très bien. Puis, quand tu le fais cuire, bien, il fond dans la viande. Puis c'est ça qui fait que ça rend toute la viande tendre et goûteuse en plus. Puis le fait qu'il y a du persillage, bien, ça brise la fibre naturellement. Hein, pas piqué, là. C'est pas attendri, cette viande-là. Donc le fait qu'elle soit pleine de persillage, c'est comme si c'était attendri naturellement. Puis quand tu le fais cuire, ça fond tout ça. Puis là, ça devient délicieux. C'est, en tout cas, regarde, j'en parle. Fait que c'est ça qui est ça pour le beefsteak del Ohio, vraiment pas cher, chez Provigo. Aussi, chez Provigo, c'est la seule place qu'il a, le bœuf haché mi-maigre cette semaine, 2,77 la livre, où tu peux faire 6 et 11 le kilo pour du bœuf haché mi-maigre. Hein, tu veux faire des tartes, tu veux faire des saucisses, des boulettes, mais c'est vraiment la viande par excellence pour ça, parce que c'est gras. Puis, c'est sûr, quand on fait une boulette d'hamburger, on veut pas ça, mais quand on fait des saucisses ou des tourtières, là, on veut plus de gras, hein, c'est normal, fait que c'est parfait. Aussi, chez Provigo, ben le filet de saumon, oh, le filet de saumon, il était beau en spécial la semaine passée, mais là, à 7,99 la livre, là, ça, c'est mon prix, j'aime bien. Je veux que ce soit encore moins cher, là, c'est sûr, mais à 17,61 le kilo, là, en bas de 20$, en bas de 19,82, vraiment, là, on est dans les top prix pour ce qui est du saumon, le beau filet de saumon tout frais, là. C'est super, puis ça, c'est chez Provigo qu'il l'a. Puis chez Provigo, ben t'as aussi les poitrines, comme chez IGA. Lui, t'as 3,99 la livre, par contre, chez Provigo versus 3,88 chez IGA, mais aussi, ce que tu as chez Provigo, tu as les os de cuisse, toutes des ossées, pas de peau, pas rien. Puis ça, c'est intéressant, là. Tu sais, tu peux mettre ça dans un croque-pot, c'est une viande qui est plus grasse aussi, le haut de cuisse qui a une texture différente. C'est la même poule, mais c'est deux poulets bien différents. Mais écoute, tu as le choix des deux sortes de poulets, si tu veux, chez Provigo, à 3,99 la livre, ou tu peux faire 8,80 le kilo. Donc, écoute, c'est ça qui est ça pour chez Provigo cette semaine. Continuons finalement avec Super C. Écoute, chez Super C, le jeune dindon, ben oui, mais là, c'est le gros jeune dindon, là. C'est là il avait les pieds jeunes, là. Parce que, écoute, il est 11 kilos, à peu près. Il dure un peu moins de 11 kilos. Ça veut dire que c'est écoute, il faut quasiment t'enlèves tes grilles de ton four pour les mettre dedans. Non, pas ça. Mais il faut que tu te descendes, c'est sûr, parce que, écoute, ça doit être une méchante bestiole. À 1,29 la livre, en plus, c'est le moins cher. 1,29 la livre ou 2,84 le kilo. Fait que là, tu as trois places cette semaine. Tu as chez Super C à 1,29 la livre.
Tu as chez Métro à 1,49 la livre, puis tu as chez IGA à 1,69 la livre. Il y a une gradation, là, comme tu peux voir. Donc, le moins cher, 1,29, le plus cher, 1,69, donc tu as 40 cents la livre. Ça peut paraître là, sur 11 kilos, ça, c'est certain. Mais écoute, c'est le temps d'acheter ça. Si tu aimes ça, puis tu en veux, écoute, graille-toi-en, c'est certain. Aussi, chez Super C, ben, le porc haché extra maigre. Là, faire des wontons, où tu le mélanges avec du bœuf haché mi-maigre, pour aller chercher le gras que tu n'as pas là. Ça, c'est super. Tu as fait la belle protéine, ça, pour quoi? 1,99 la livre. Pour l'extra-maigre, c'est vraiment pas cher. Quand il tombe en spécial, l'extra-maigre, c'est 2,49. Là, c'est super bon. À 1,99, habituellement, c'est le maigre. Là, l'extra-maigre, à 1,99, là, à moins que ce soit pas vraiment extra-maigre, mais normalement, on peut s'y fier. Donc, ou 4,39 le kilo. C'est vraiment super pour cette protéine-là. Que je te conseille, si tu as l'intention de faire des tourtières, de faire des wontons. Justement, j'ai mangé mes derniers wontons en fin de semaine. Je pense que... aussi, chez Super C, qu'est-ce qu'on a? Le filet de saumon, au même prix que chez Provigo, à 7,99 l'allée, où tu peux faire 17,61 le kilo pour le beau filet de saumon. C'est sûr, cette semaine, on va se taper un vrai bon souper de saumon, puis on va sauver, juste avec ce rabais-là, je vais sauver à peu près une vingtaine de dollars. Ah, c'est-tu merveilleux, ça? Super! Aussi, ben la poitrine de poulet. La poitrine de poulet, lui, il n'y a pas le haut, là. Il y a la poitrine. Fait que la poitrine de poulet, là, il l'a à 3$ encore cette semaine. Puis là, il l'a à 3,88 la livre, exactement comme chez IGA, ou si tu préfères, à 8,55 le kilo. Sinon, tu l'as à 3,99 chez Provigo, là. Tu sais, la poitrine de poulet. Fait que, écoute, c'est super, la poitrine de poulet. Alors, on veut tout en avoir tout le temps. Parce que, tu sais, tu peux le faire bouillir. Tu peux le faire mettre directement dans la poêle. T'sais, moi, je le coupe en escalope, là. Puis là, je le mets dans la poêle. Parce que si tu le laisses en suprême de poulet, c'est un peu trop épais. Mais quand tu le coupes à moitié, ça te fait des petites tranches, ça te mince, ça dépaisse, on pourrait dire. Puis là, tu les mets un peu dans l'huile, là, puis d'un bord puis de l'autre, 15 minutes, là, 7 à 8. Tu as 8 à 10 minutes maximum chaque bord avec une petite épice dessus. Là. C'est super bon. Tu sers ça directement dans l'assiette avec un petit riz et un petit légume, là, puis tabarnouche. Ça te fait un super de bon souper facile puis pas cher. Fait écoute, c'est ça qui est ça pour la liste de papa et papa de cette semaine. Mais va voir, hein. Va voir vraiment ma liste parce que là, c'est là qu'il y a des centaines et des centaines de dollars d'économies à chaque semaine. Puis du premier coup d'œil, tu vois tout de suite. Puis ce qui est le fun avec la liste de papa et papa, c'est que tu vois le spécial, mais je te montre aussi le prix régulier. Donc, tu vois vraiment là, que ça coûte. Là. Tu sais, je te montre le poulet, par exemple, à 8,55 le kilo versus son prix régulier à 17,99. Tu te dis, oh, OK, là, il y a vraiment une bonne différence. Ça vaut vraiment la peine. Puis ça, des fois, on n'est pas conscient. On voit des spéciaux, mais c'est quoi les spéciaux? C'est 50 cents, 2$? On ne sait pas. Donc là, avec la liste de papapote, je travaille assez fort là, pour monter tout ça. Fait que va voir, puis ça vaut vraiment, vraiment la peine. Puis surtout, partage. Puis aime ça, puis commente-moi ça, parce que c'est fantastique de commenter. Moi, je te lis tout le temps, je lis tout le temps. Je réponds pas toujours, parce que j'ai de plus en plus de commentaires, fait que c'est sûr, mais j'essaie de donner des bisous à tout le monde que je suis capable. Fait qu'écoute, n'hésite pas, surtout, écris-moi, commente ça, parce que ça me fait vraiment plaisir tout le temps. Fait que sur ça, écoute, je te souhaite une belle journée, une bonne semaine. Puis surtout, je t'envoie un beau bisou de papa popote. Allez, à bientôt pour une prochaine vidéo de papa popote.